bittersweet heat is suffocating. Hello les amis, alors aujourd'hui petite vidéo sur l'évolution de mon élevage de grillons. Alors comme vous pouvez le voir ici, ce petit grain de riz est juste un petit œuf de grillon. Il n'y en a pas que un, donc là c'est à la surface, il y en a plusieurs sur le tas. On va essayer d'en retrouver juste là aussi. Hop. Là, il y en a plusieurs sur le tas. Donc j'ai mis ça sur de la tourbe de coco. Alors, je vais vous montrer un autre endroit où ça a bien pondu. Donc, vous voyez, hein, tous les petits grains qui se trouvent juste là, ce sont des petits œufs de grillon. Donc, j'ai laissé la boîte pendant 10 jours dans la petite boîte que je vous avais montrée dans la vidéo précédente. Et alors, on peut voir qu'ils ont bien pondu et ça fait plaisir. Donc, regardez ici, tout ça, tous ces petits grains de riz, ah ben, ce sont des œufs qui vont éclore. Alors, ils vont éclore à partir de quand? Donc, ça met plus ou moins 10 à 13 jours pour éclore et donner finalement un petit grillon directement. Car l'avantage de ce petit insecte, c'est qu'il ne passe pas par l'état larvaire. Il naît directement en tant que grillon. Et donc, voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous donner justement des nouvelles. Et on va voir les étapes par étape. Et au final, je vous ferai un condensé de toutes les étapes que j'ai passées. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, commenter et partage-la sur tes réseaux sociaux. Et moi, je te dis à la prochaine. Peace!